Ministro, y de inmediato pedimos a nuestra embajadora de Haití, por favor, la señora Dominique Turcuy, que nos acompañe. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude aux très nombreuses personnes, aux institutions, aux associations qui ont pris part à ce chantier colossal. En Haïti, tout a été mis en œuvre pour permettre la préparation de dossiers solides et représentatifs. La CASAV est un symbole du dialogue millénaire qui unit nos peuples. Sa culture, son élaboration et sa consommation, elle éloge aux mécanismes d'entraide communautaire qui ont permis sa survie face aux plus grandes menaces et sa dissémination d'aujourd'hui autour du monde par le biais de notre diaspora. La CASAV est empreinte de la résilience de nos aïeux, tant haïnos qu'africains. Elle porte en elle le testament de leur traumatisme et de leur triomphe face aux ravages de la colonisation. Il est donc peu surprenant que la préparation de cette candidature multinationale ait animé un élan de coopération exceptionnel à tous les niveaux, depuis les porteurs de nos pays jusqu'à ceux ici présents dans cette salle. En ce sens, nous pouvons déjà anticiper et nous réjouir que l'inscription de la CASAV en décembre 2024 insufflera un fort sens de fierté et un esprit de solidarité vital et nécessaire au sein de notre région. Merci beaucoup à tous.